c'est Kamel Boirouz. Je suis soudeur chez Alstom depuis 10 ans. Bon, bah alors, je me présente. Moi, c'est Amroun Toufik. Je suis soudeur à chez Alstom, Nerpic, General Electric maintenant. On a été racheté il y a 2 ans à peu près de ça. Et les problèmes, ils ont commencé à partir de là, à vrai dire. Et, je suis à l'atelier, moi, je suis au manufacturing. Et il y a 3 mois de ça, à peu près, on a appris qu'il allait y avoir un plan. Et je t'avoue qu'on a été très désemparés, quoi, très, très énervés. Et on n'arrivait pas à comprendre comment on en est arrivé à là, quoi. On a été racheté par General Electric. Et là, ils nous lancent un plan social qui, pour nous, ne nous correspond pas. À un moment donné, on nous a demandé de rester patient, de tenir compte des négociations qui allaient arriver et tout ça. Et on espère vraiment que nos emplois ils vont être préservés, malgré qu'on pense vraiment que ce plan il va être tenu. Parce que pour nous, on a des affaires, on a encore de la soudure à faire, il y a beaucoup de travail, il y a des turbines qu'on peut faire. Et on ne comprend vraiment pas ce plan social-là. On essaie de réunir le plus possible de personnes, d'employés, tout ça, pour soutenir ce blocage-là. Et à un moment donné, il va falloir que ça bouge au niveau de la direction. On attend vraiment des réponses au niveau de la direction. Ce qu'on n'a pas reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi, en tout cas, pas ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que l'État intervienne, parce qu'apparemment, ils peuvent intervenir, il y a des parts de bruit qui peuvent reprendre. Et on attend ça, quoi. Faut pas qu'ils nous lâchent. On est là même ce week-end, hein. On est samedi aujourd'hui, on va rester là même dimanche et tout ça. On a une assemblée générale qui va se passer lundi. Et on espère que ça va bouger d'ici là. Mais par contre, on est très motivés et on compte vraiment aller jusqu'au bout et bloquer s'il le faut et faire plein d'autres actions, etc. quoi. Et ici, on fait un travail très spécifique. Moi, je sais qu'en tant que soudeur, je sais que c'est très difficile. On soude des turbines on les soude pendant 1 ou 2 ans, on est dessus. Et c'est très spécifique. Ici, on fait du TIG. Ici, on fait, bon, bien sûr, semi-automatique. On fait aussi du soudage sous flux, du SAW. C'est plutôt robotisé, c'est plutôt autre chose. On fait de l'arcaire. Alors là, l'arcaire, c'est, par exemple, on a une soudure où il y a eu un défaut qui a été contrôlé par les contrôleurs en ultrason. Du coup, eux, ils nous font une indication. Du coup, nous, on va venir avec l'arcaire pour aller à la recherche de ce défaut. Alors, quand on arrive à être amené à travailler dans la turbine, il faut savoir que c'est des roues qui sont chauffées pratiquement à 100 degrés. Quand on travaille à l'intérieur d'une turbine, ça veut dire qu'on a tendance, on a des risques de se brûler, tout en assurant aussi notre cordon de soudage. Et voilà, on est loin, si tu veux, du soudage de base, ça veut dire souder des cornières ou même des potences. On est vraiment loin. Là, c'est vraiment une difficulté, on pourrait dire, extrême. Et en sachant qu'on a tous les équipements avec nous, c'est-à-dire aiguillette, meule, cagoule, veste en cuir. Ça veut dire, après, on a un contrôle qui est contrôle ultrason. Il suffit qu'on loupe une passe, je ne sais pas si ça te parle. C'est un cordon de soudage. Et en sachant que dans un chanfrein, on en fait pratiquement, je ne sais pas, 1000 passes. Il suffit qu'on loupe une passe, qu'on est très motivé et on compte vraiment aller jusqu'au bout.